Forme offrir ou pour moi, c'est la vie. Sors ben moi, yon pas compte qu'on ça me pédit. Fouré mais on, ça va finir. M'gain pour m'suspend pédit, qu'on y a, moi gain l'esprit. Moi gain l'esprit ton est. Habitant planté maïli, c'est pour gros bâtiment. L'iré te à goukouman, elle pas gen doit dikouman. Toro on dit ratio, c'est pour texation. Bon, mais des gouttes maléré, la caillou, yo l'empoche sotobré. Ak la famille konze, chabrak, belet, LTD. A fait diamant, roi d'Afrique là, ça c'est secret l'état. Ou fouille à porte kon sa, yo va prendre l'améra. Comme Jamaïcain, les sous-tables londoniens diri qui planté au Vietnam. Non, je dis à un parier, la bête en samedi. Comme offrir ou pour moi, c'est la vie. Sors moi, pas contre mon sam pédi. Fourez mes on fourez mon ça va fini. M'gué pour m'sispan pédi. Mouné à moi, bien l'esprit. Moi, bien l'esprit. Tout. Belle m'a fait guider que Jacques Melio, l'encou madame la belle, pour m'amzelle fait col belle, zouzon à la Paris. Mine cuve qui l'en chili, l'on salon à Paris, mes amis café colombien, la tasse d'oiseau méchant, fait Nicaragua, ça pas fait M16 USA. Vieux frère, l'en zafra, y'a voyé manchette montée, autant des jours les deux, lancé domaine, y'a joué dans la nuit rivée. Miami, Bahamas, la France n'importe côté, c'est la caille à privé. Yon les voyons rentrer, je vois que c'est à péter. Faut m'offrir ou pour ben moi, c'est la vie. Sauf en moi, yon pas contre qu'on ça me pédit. Fourré, mais on fourré, mon ça va fini. M'gain pour m'suspendre, pédit. Mounier, y'a moins bien l'esprit. Mais c'est visible pour m'prendre, même si c'est manchette, moi qu'un même si c'est galette, ma voye. Mais c'est fizim boum boum, mais c'est fizim boum boum, mais c'est fizim boum boum. Belle mère guise qu'un Jacques Melio, l'en coup madame la belle, fois mamzelle fait col belle, sous-on à la Paris. Mini cuve qui l'en chili, l'en salon à Paris, mes amis café colombien, la tasse d'oiseau méchant, yo, fait Nicaragua, ça pas fait M16 USA. Vieux frère, l'en zafra, y'a voyé manchette. Autant des jours levés, l'ancien domaine, yo yé, tout dans la nuit rivée. Miami, Bahamas, la France n'importe côté, c'est la caille à privé. Yo les voyons rentrer, je vois que c'est à pépé. Faut m'offrir ou pour moi, c'est la vie. Sors ben moyen, pas contre mon ça me pédit. Fourré mon ça va fini. M'gain pour m'suspendre, pédit. Mounier, y'a moins bien l'esprit. Mais c'est visible, même si c'est manchette, ma kembe, même si c'est galette, ma voye. Mais c'est visible, boum, boum, mais c'est visible, boum, 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 ma voye, manchette. Mais c'est visible, boum, boum, mais c'est visible, boum, boum, mais c'est visible, boum, boum, mais c'est visible, boum, boum. Donc, s'il vous plaît, on a commencé l'activité à Kouniala. Ça, c'est le comité qui organisait la troisième célébration annuelle, moi, créole haïtien à Massachusetts. Nous avons un gros projet d'année Joachim. Moi-même, c'est Tonton Guy. Moi, j'ai Charles Lucien. Moi, j'ai La Fortune, qui est Fred La Fortune, qui est avec nous là. À Deonville, pas là, sur là, c'est le dernier. Donc, nous allons passer notre temps, nous sommes notre bienvenue, nous prenons du côté Haïti qui vient vous présenter avec nous là, nous participer de la célébration. Donc, nous allons passer rapidement avec notre monsieur, si vous voulez dire votre parole, et puis qui est parti, qui va le présenter, au hommage par Patrick, par Maurice Leroy, Félix Maurice Leroy. Donc, nous allons finir là, nous avons une présentation parmi nous pour faire, éventuellement, pour présenter trois poètes haïtiens que Fanny WordPress présente. Merci à Dieu, bienvenue. On commence le programme avec Patrick Sylvain, qui est un pour
écrivain, un paquet de bagages local. C'est la troisième année qu'il a participé dans le programme ça avec nous. Donc, bienvenue Patrick. Et puis, on célèbre Patrick, Félix Maurice Follois avec nous-mêmes. Et non, totalement ça fait. Merci Mabille. Rapidement, nous avons pour nous situer Félix Maurice Follois, il faut que nous allions au-delà, en dehors de texte que tout le monde célébrait. Ça veut dire que Papa Dessalines, et il y a une bagage qui est extrêmement important, qui est mon focal qui est là. Ces questions, c'est développer une tradition de lecture pour nous lire. En pile de texte, Maurice Le Roy, il n'y a pas de lire. En pile de texte, Maurice Le Roy, il n'y a pas de connaître. Mais il y a quelques textes que nous très connaissons. Par exemple, en OEA, le texte sur FMI, texte qui est très politisé. Mais qui est Maurice Le Roy? Et pour qui ça est important pour nous célébrer et Maurice Le Roy? Et on fait une différence tout entre un hommage avec une critique. Si c'est pour faire critique, on va montrer une question de textualité, de texte, pour regarder qui aspect oralité, qui aspect littérature, qui travail que Maurice Le Roy fait, nous développer, sans décabler un langage qui est très spécifique à lui-même. Et chaque écrivain, à un moment donné, ses souhaits, ou supposé qu'il y ait un propre langage par là. Et comment que Maurice Le Roy fait arriver à développer l'engagement ça? Bon, monsieur grandit et fait dans le Grand Gosier en mars 13 mars 1912. Et date ça devient important parce que monsieur fait et grandit pendant l'occupation américaine. Donc l'occupation américaine pourrait vraiment informer la mentalité de monsieur. Deuxièmement, monsieur est influencé tout par Jean Weissmans. Et pour ça, il est important. Parce que Jean Weissmans, c'est un homme qui va demander pour jeunes, ça n'est pas les jeunes intellectuels, qui sont capables de ramasser la culture vis-à-vis, ça n'est pas les occupants. Et qui demande pour rentrer dans la racine. Donc, qui fait qu'on va joindre un mouvement qui va le faire, un vers paysan, nous voilà avec Jacques Roumain. Mais qui parle d'entrer tout en non culture haïtienne. Monsieur grandit Jacques Mel, il est marié Jacques Mel, il fait études de droit en Haïti. Monsieur vient travailler comme directeur dans l'éducation nationale. L'autre bagage que nous ne connaissons pas de lui-même, c'est que monsieur fait une maîtrise dans New York en 1943. Donc ça veut dire que dans une période raciste, en pile haïtien qui a voyagé, et c'est dans la même période ça tout monsieur fonctionnait avec un série de monde qui a couru des pèses. Et l'autre monde qui est très important, nous ne pas parler de lui, qui a une importance et catégorique dans la vie monsieur, c'est un écrivain et militant haïtien qui est Gérard Chemin. Que moi-même, j'ai eu la chance de rencontrer le Sénégal, et c'est pendant le Sénégal a fait interview avec Gérard Chemin. Et puis, Gérard Chemin a montré côté Maurice Le Roy, a travaillé avec Sénégalais, côté bon mariage entre littérature avec l'agra. Côté, monsieur fait bon l'agra, sorti dans une ville qui est Toubab Djanao. Et c'est là que Gérard Chemin, jusqu'à présent, monsieur qui a 85 ans, 86 ans, il est là, a vécu toujours. Et chaque année, il y a un festival mondial qui est fait dans Toubab Djanao. Et si vous avez dit, c'est un cerveau Haïti, malheureusement, pas qu'à dire que vous avez perdu, mais qui t'a supposé en Haïti, qui t'a réuni en Haïti. Qui influence qu'on y a là, et qui mariage qui va gagner entre ça, Maurice Le Roy, à Grande, pendant le Sénégal, parce que le Sénégal était Ghana et tout ça, eh bien, il y a un livre qui va sortir en 1962 qui relait Casamance. Mais Casamance. Et Casamance, lui-même, le chita dans le sud du Sénégal. Et c'est là, et Sénégal est un pays qui a 92% musulman.
Mais ce n'est pas musulman dans le sens fondamentaliste, parce que dans le Casamance lui-même, c'est là qu'il y a plus rituel, qui peut sembler avec vaudou. Donc, nous voyons que monsieur, en 1982, il n'a pas publié Ravi Nodiam. Et Ravi Nodiam, il a lu un petit parti là-dedans, qui parle extrêmement important, parce que maintenant, nous parlons de la question de compte, nous parlons de l'hérisson, nous ne parlons pas de citer ni situer Maurice Leroy. Nous quittons Maurice Leroy surtout comme un poète et un dramaturge souvenu. Et qui texte qui est vraiment important dans l'aspect d'une adaptation et traduction, c'est Wa Krimon, qui est publié en 1953, un texte qui est vraiment fondamentalement étude classique, le Santé Gabriel Wall Antigone. Et travail, ça, son travail, nous avons dit que ni l'université en Haïti, et surtout étudiant à niveau secondaire, t'as supposé à étudier, parce que son traduction et une adaptation qui est extrêmement phénoménale de façon que nous faisons. Monsieur, prend texte ça, il a joué au Sénégal, et aujourd'hui, à Paris, la question de l'adaptation. Donc, ça vient jouer, et non, Maurice Leroy, nous avons dit que c'est parmi le groupe d'écrivains 1948 qui vraiment adaptait l'idéologie pan-nationaliste et pan-africaniste. Okay? Et en 1953, c'est Boumé Bountou qui va vraiment concentrer, consacrer à écrire en créole haïtien. Deuxième monde, c'est Georges Castro. Et deux mondes, c'est extrêmement important et Balbanou, nous sommes deux exemples. De texte, monsieur, et peut-être de philosophie, tout. Premier texte que j'ai déclaré, qui vient d'un petit genre didactique, mais bien une sorte de théorie non voilée, je vais dire Christian Beaulieu. Christian Beaulieu m'a écrit mon livre créole. M'a écrit pour tout le monde qui m'a aimé, m'a envoyé la Martinique, m'a envoyé la Guadeloupe. Je voyais la Guyane, je voyais l'île Maurice pour l'île, je voyais la Louisiane tout. Je voyais la radio pour tout le monde entendre. Je écris un livre dans la langue PAM. Monsieur, je suis venu. Je m'a fait. Donc, ça veut dire que dans la déclaration vers le sujet, et le sujet c'est Christian Beaulieu, il a déjà dit que les mêmes intentions. C'est pour écrire non, même là, je connais que par l'huile. Donc, son position politique que il prend, une position politique, ça veut dire que il sait déjà en 1953, il reconnaît que il va aliéner, il va mettre de son côté, mais quand même, une position qu'il prend, et non seulement en position vis-à-vis Haïti, mais son position qui vis-à-vis l'autre côté qui, soi-disant, entre guillemets, qui le font. Donc, déjà, il y a une sorte de une relation linguistique et philosophique qu'a faite avec monsieur. L'autre est poème, Lyon Pati et la donnée, pour essayer de comprendre philosophie, monsieur. Affiche ses âmes. Affiche ses âmes. Donc, déjà, il y a deux aspects dans ce plan. Il y a une affiche. Qui sont bagages pour poster, sous poster, c'est pour déclarer. Et non seulement leur déclarer, lui, il est déjà dit, lui, son ça. Donc, déjà, il y a une double position que vous mettez dans le titre, non seulement. Je ne vais pas écrire poème. Donc, je ne sais pas si un petit poème, mais dit poème. Je ne vais pas écrire poème pour Zot, Bouchio, Kumunda Poul, vient réciter dans le salon. Ce mardi-là, c'est un posé pour nous laguer dans la radio là à Paris. Pour tout le peuple haïtien, attendez, c'est une affiche pour nous coller sur toute Miraille Port-au-Prince, sur toute poteau électrique Jacques Mel, sur poteau téléphone depuis Miagouane, jusqu'au Bonaïve, depuis Wallamette, jusqu'au Pilboro. C'est une gazette pour nous clouer, pour tout pied bois dans ma boue, sur toute forêt pain. C'est un trac pour nous cimer. Dans tout marché de la grandance. Donc, pour un monsieur, ce n'est pas dans le salon. Et si nous entrons dans la question salon, nous allons regarder qui gens, depuis, nous sommes capables de dire, et période années 1600,
salon vient une place qui est extrêmement importante dans la littérature en général. Parce qu'en général, longtemps, c'était la cour, c'était la royauté qui était contrôlée, question espace littéraire et tout ça. Et puis devant, dans le développement, ça n'est pas appelé, dans le terme classique bourgeoisien, qui a un salon lui-même comme un espace littéraire, et c'est l'espace littéraire ça qui va le premier espace public. Mais en Haïti, on veut bien même aspect de salon. Le salon, ce sont un petit groupe de monde qui réunit. Et monsieur déjà a anticipé, il a parlé sur un petit groupe de monde qui pour le niveau web. Mais il va servir avec une méthode qui c'est radio. Donc il déjà connaît que il y a un pile de monde qui pas connaît, qui pas connaît écrit, il faut le servir avec la radio pour le transmettre. Donc monsieur est très conscient de position comme un écrivain et de limite de soi-disant lecteur, parce que c'est plus de l'audience, c'est l'audience que les gagnants. Mais l'autre bagage qui est important tout, c'est que travailler est fait pour nous relier avec l'autre lutte de l'autre côté, qui c'est l'opposition de caractère anticapitaliste depuis le commencement. Il y a un autre texte, et rapidement encore, et qui est écrit sur un cahier 15 pommes. Un cahier, comment comme un cahier dans la médecine? C'est un cahier pommes, donc son bagage qui est très très longtemps. 139. Ok. Écrit sur un cahier 15 pommes, c'est en ligne 2 dans ce trophée. M'a écrit une chanson sur un cahier 15 pommes. Petit garçon sans chanson, toute fille sans robe, qu'elle a une belle chanson sur un cahier 15 pommes. M'a metté sous cassette pour tout petit monde goûter, pour tout ça que vous voulez chanter, si tu attends des cassettes, il faut que nous joignions un côté, nous sommes pour nous chanter. Encore, position écrivain, lui reconnaître limite texte, lui reconnaître limite texte, et lui servir avec une nouvelle technologie pour le communiquer avec l'audience. Qu'on est là. Si nous rentrons en dedans, texte lui-même, nous allons dire bon, est-ce que, au point de vue littéraire, il est très calé, est-ce que esthétiquement bon, on ne va pas rentrer dans ça. Parce que esthétiquement, qu'on est là, ça va intéresser beaucoup, qu'on est là. Mais c'est, ça me dégage l'intentionnalité écrivain comme une position, comme un monde qui gagne un devoir vis-à-vis de l'audience. Et l'audience, là, c'est jeune monde en général et comment tu peux monter, tu peux communiquer, tu peux être capable de gagner un certain niveau de conscientisation. Et dans l'aspect de conscientisation, je m'appelle un autre partie dans mon programme, monsieur, que qui est capable de choquer quelques monde, mais c'est pour montrer comment et un aspect sénégalais semi-révolutionnaire dans la position de monsieur comme le écrivain, OEA. Et OEA est fait fondé, à peine 20 ans que OEA a fondé, monsieur écrit pour ça. Ok? OEA. Si on voit un cousin, il y aurait les OEA, courir, petit point. Yon bouze yon OEA en français, OES en anglais, bouche néon, courir petit point, Odel se compte pour poisonner, l'esprit petit, petit tout. Si vous voyez yon maman canaille yon OEA, mande pied sam de manger, si yon mène yon OEA devant, ou arrêtez écouter, passe ça, grainer sans galibère. Si vous voyez yon reste avec yon tioul yon OEA, parité tant de salvelé, brasé, croisé, rat de l'envoyé. Encore, au point de vue esthétique, poétique, il y a problème avec. Mais au point de vue de position idéologique, il est clair. Il est déjà dit que l'organisation américaine, ça, qui est l'OEA, est très problématique pour petit peuple, pour pays dans le monde. Et nous voyons ce qui s'est passé avec la dernière élection de Martelly. Nous voyons ce qui s'est passé de l'autre côté. Nous voyons ce qui s'est passé avec Haïti vis-à-vis de la République dominicaine. Position OEA. Non? Donc, déjà, il y a une sorte de clairvoyance dans le rôle écrivain, leur servir avec littérature. Bamba, où il y a un dernier aspect. Je sais qu'on texte, c'est le premier texte. Nous sommes capables de dire qui est bilingue,
créole haïtien et français, qui est écrit en 1982, qui est publié en 1982. Donc ça veut dire que j'ai écrit bien avant. Donc ça veut dire que monsieur a une vision de la question bilingue, non? Depuis bien avant que l'anglais devienne vraiment officiel. Et là, on parle de influence Sénégal, t'es bien insulé, et n'a pas beaucoup de raison. Côté, monsieur parle marié, question croyance et populaire, non? Et garder question sécuritiste dans tout, pour le capable vraiment questionner et une série de personnages. Et c'est pour même tout qui parle de critique systématique dans la littérature vis-à-vis de l'Église catholique. Et qui peut servir avec syncrétisme, qui peut marier et vaudou avec espace comme de Gabriel, religion catholique, là, pour lui-même, pour voir comment le monde dans le monde servir à elle. Ok? Seulement un petit paragraphe bien court à donner. Et son texte est éminence. Je ne sais pas si les gens mettent ensemble pour oublier une situation qui est obligée. Tout le monde couche souvent à prier. C'est dans le veillé ça, dans l'église Saint-Jean-Baptiste, il doit être cassé. Sous galerie presbytère, père dans la l'air, avec ce chantier côté malheureux et parti, quand il y a un malheureux pareil, moi, vrai côté nec avec neges pays ici, il y a force et courage pour marrer à corps avec un madichon qui a poussé vieux depuis la Philippine. Puis vous fessez la tête. Qui m'a dit ça? Qui a poussé vieux depuis la Philippine? C'est question de colonisation. Hein? Question de colonisation. Et comment que nous nous mettons ensemble? Je vais vous donner une partie de ça sur quelques pages. Ça y a fait. On bat toi à Greta Oyo. C'est la veille, un récit fini, le Père Cyril, écrit tous les deux bols, imamou. Grand matin, tout garçon, toute femme, tout monde qui était l'église là, tout ça qui était sous galerie presbytère, descend sous l'anse là. J'ai même ce dépit sous dos capé, avec bateau à Greta Oyo sous tête lui. Dans le bateau, il y a un morceau de poule, un morceau de yam, un petit riz, un joumou, un tranche gâteau. Un peu l'ikevani, un peu siologia, yon blanc en tablen, maïe grillé, tragé, à comme un choix soit bien développé. Encore, la décrit yon coutume, yon bagay qui passe, et comment que moun yo, dans le sens, prend espace catholique, là, servi à l'aide, façon de sécotisme, en façon que cap continue à aspect culturel. Sécotisme, ça nous jouait mieux. Et dans le Sénégal, dans Casamance, okay? Côté musulman, mais ils servent avec l'ancienne culture au djinn, ils sont capables de faire travail. Ok? Maintenant, est-ce que tu as la lumière? Il y a une petite vidéo, Lucien a fait, deux minutes seulement, qui montre en anglais, qui montre l'importance et monsieur. Il y a une bagarre qui est vraiment intéressant et peut-être, étant donné que Michel Pierre lui avec Laurent Mangolès là, nous allons voir une sorte de petite parole dans nos oreilles qui fait passer dans la tête de Gounia là. Manuscrit Félix Maurice Leroy, que petit tu gagnes, nous croyons que c'est une institution peut-être, si possible. Si nous avons joué dans mes familles au Sud-Ouest, je ne m'en esprit ça, et puis nous avons fait une recherche. Donc, nous avons ça dans nos oreilles, pour qu'on y ait là. De toute façon, ce n'est pas dans l'université seulement, mais c'est qu'il y a un cas mondial que nous avons. Parce que nous avons besoin de matériel ça, pour nous faire une recherche, pour nous garder la façon que nous avons pensé dans le temps écrit. Qui route que nous faisons dans le temps écrit. Et au point de vue de créole officielle. Les créoles officielles, c'est le peuple qui poétise sa vie. Seul homme qui est capable de dire, c'est créole. Tout ça qui a parlé français, qui a fourmi l'homme au bail menti, c'est créole l'homme officielle. People at the beginning believed that
Creole is not a language. Well, it is spoken by thousands of people, so. The elite wasn't able to send their kids to France or to other country, and their parents also spoke French. So it was very easy for them, and they were able to pick up any books and read in French. But the peasant, they couldn't do that. They couldn't learn anything at all, because everything was in French. So that is a big reason why he was asking them for the Creole language to be the official language of the country. Because Creole is the language of possession. You have it. There is a high interest in this that all people speak Creole, whether they are intellectual or they are part of the elite, but everybody speak Creole. And since he is a writer, he calls himself the scribe of the people. He wants to write for his people. They lost the people in the city. He wants the people in the city to enjoy his, the play that he is writing about. And he wants the people to enjoy his poetry. And they do when he writes them in Creole. Très courte, mais très précis, très exact. Et encore, donc pour moi-même, changer l'homme que j'ai rencontré, Maurice Oloa, j'ai gagné 16 ans et demi. Dans Cambridge Angelal, j'ai écrit, commencé à écrire poème, et puis Maurice Oloa est venu. Il y a une autre qui m'a dit, Jacques, non, non, je ne comprends pas ce que ça veut dire. Okay? Ça veut dire que le passé de Jacob, qui c'est texte, travail, mais c'est important ce qu'on écrit dans l'homme. L'autre dernier mathématique qui est très important, fais attention, même le Maurice Leroy pour créole haïtien, il n'est pas anti-français. Il faut faire un peu attention à ça, et parce que c'est un problème qui est en Haïti, parce que pour une langue, automatiquement, on compte l'autre là. C'est pas vrai. Et au contraire, je suis écrit dans plusieurs langues. Et c'est un haïtien tout que le texte traduit, parce que c'est dans 6 langues que le texte traduit. Il y a un pile de travail, il y a un pile de recherche qui vient pour faire. Il y a un pile de critique tout qui vient pour faire. Mais sans simplement dire, c'est que monsieur est révolutionnaire dans l'aspect linguistique parce que lui prend une position qui n'est pas favorable du tout dans l'année 1950. Et maintenant, le contexte, c'est pas, il faut le mettre dans le contexte, parce que le travail est très important, c'est que il y a toute une série de monde qui t'a poussé pour langue créole dans la ville officialisée, et n'a pas le travail UNESCO t'a fait dans ma biaou, et le travail différent monde, et Michel Pierre Pisséon, parmi les gens qui fait le travail d'alphabétisation, tout, il y a toute une série de différents niveaux d'alphabétisation qui t'a fait, qui t'a commencé dans l'année 1948. Et Maurice Leroy vient rentrer là-dedans. Donc ça veut dire que, automatiquement, M. Chita, il dit qu'il parle de la révolution. Il y a un contexte, il y a tout aussi le travail qu'il a fait. Donc, même et son travail, franchement, qui est lié, le monde a essayé de conscientiser politiquement et dans différentes formes, et surtout dans l'aspect linguistique. Dans ce sens-là, on a dit aïe bobo pour Maurice Leroy, dans le travail, le sacrifice, ça a contribué dans la littérature, nous, et fait que tu nous avances et tout ça. Merci en plus. Faut m'offrir ou pour ma moins, c'est la vie. Sors ben moins, en pas compte qu'on ça me pédit. Fouremé ou, ça va finir.
gen poum si span pedi, kounye ya, mwen gen l'esprit. Mwen gen l'esprit ton est. Quelqu'un a donné ça à l'Institut français à l'apostope et l'Évité-Né, moi-même l'Assemblée artiste ici en Massachusetts, pour nous présenter une activité francophone. Et puis, je me pose une question, est-ce que l'Haïti, évidemment, c'est francophone? Mon pays qui est seulement 15% à 10% on n'a pas le français, est-ce qu'on peut considérer comme francophone? Il n'a pas les cours antiques, mais il n'a pas les cours antiques. Puis, il réalise ma recherche pour les cours antiques. Ça, on n'a pas gagné qui est écrit sur relation entre créole et français. Ça me rend problématique créole français en Haïti. Pas gagné qui est écrit sur lui. Si vous êtes ça, mais puis, un critique de la francophonie haïtienne qui m'adresse directement aux francophones haïtiens. Même il y a quatre chapitres là-dedans qui, en créole haïtien, nous vous montrer que comment nous avons écrit dans l'académie. En créole haïtien, que j'étais bien content que l'Amatan à Paris ait décidé pour nous donner. Ça, c'est l'aspect, c'est l'aspect personnel. Deuxième aspect, c'est le travail qu'on fait dans le choix de WordPress. Côté que moi, j'ai utilisé un thème particulier utilisé, écritorialité, qui est important dans la promotion. Donc, non seulement le travail que je fais, mais le travail que le choix de WordPress. Dans le tambour que nous fondons, je sais que nous fondons un tambour que nous fondons pour promouvoir la créole haïtienne. Donc, on va présenter rapidement. Il y a trois auteurs qui ont présenter là. Il y a une écritorien, un écrivain, un militant, un ancien consulat dans Boston. L'autre là, c'est un jeune poète, un écrivain haïtien, qui a vu la université, qui n'a pas calé malheureusement parce qu'il était malade hier soir. Qui est le Don William, je fais quelque chose de très intéressant, qui est le Flesh Palmis Pathesi, que nous avons là, nous n'avons pas là, nous l'avons imprimé, mais nous avons bon de commun, nous l'avons acheté. Et puis, mon troisième livre, c'est Kiki Wainwright, qui est l'ami, ami, pas de cadre, pour les personnels, tout. Que nous avons un livre, Kiki Wainwright, là, en tambour libération, qui a trois ans. Donc, on continue ça, on va présenter Pretoria qui va parler sous les verres. Pretoria qui est levé, marqué engagement de l'État politique et culturel majeur en Haïti. Donc, on garde la côté ancien membre dirigeant Pouche, candidat pour le comité central, création du groupe de l'État Tambour Progressiste en 1946. Donc, nous allons prendre trois pour présenter Pretoria qui va parler de poésie. On livre tête chargée, qui est les paroles qui fait ce qu'il a. Qui est publié par toi les WordPress pour l'esprit dans la question et que bon, en tout cas, vous pouvez parler de lui pour ce travail. Merci beaucoup, camarade. Je dis à son pour occasion pour moi, on se montre avec un pile visage. Dans Boston, on était habitué avec vous, mais dans l'entrée-sortie, voyage, l'entrée-sortie, nous perdons contact. Je dis à moi les trois points. Ça fait plaisir. Et occasion, ça encore. Il fait que j'ai content parce qu'il a célébré nos amis, nos camarades, nos papas, nos parents, qui ont été Maurice Soléwa. Maurice Soléwa, il a une responsabilité pour me mettre en scène et jouer Antigone. Dans la répétition, je m'en rappelle ça, dans le théâtre. Je vais dire, ma fait avec des trois jeunes, je prends pour tout tambour progressiste que moi-même j'ai fondé. Et dans la répétition, gagner nous metteur en scène qui est chargé dans le moment, qui est plus grand passé nous, c'est mon aîné qui était pareil, parce qu'à l'époque, il était directeur théâtre de Verdure, Yoreli Hervé Denis. Hervé Denis parlait. Il portait un petit coup d'œil sur ça m'a fait et puis je viens de remarquer beaucoup de gens assez pour jouer Antigone parce que ça avait de porter tellement surprenant tellement senti à port avait de tellement fort mal écrit moi demandé comité qui était bon responsabilité jouer Antigone
pour me prendre deux trois mois encore pour me faire recherche, pour me chercher, pour me vendre, pour me retourner sur Antigone et me voyager. Mal Miami, me rencontrer à Félix dans sud-ouest Miami avec madame Mi. Par contre, je dis à si vous êtes là, si ma son j'ai fait lui, mais c'est une belle dame très courtoise. Il a accueilli nous avec sympathie tant que nous connaissons depuis 50 ans. Donc, moi, Chita la Kai Félix, lui parler avec elle, nous discuter Antigone, et monsieur dit moi, mon cher, j'en parle, bon, mais là, et j'en ai causé là, pour ça, faut pas écrire. Une pièce théâtre pour nous, c'est ça qui motive, je fais parler pour vous les étoques. Et les écrits pour les étoques, nous jouons pour les étoques dans l'Institut français, dans la Coupe d'Au-Prince. Eh bien, pour les étoques pour des succès dans l'époque là, qui est de la maturité. Chêne, quand vous Frédéric Sucre, Franck Etienne, qui a écrit à l'époque là, moi-même, ces jeunes gars sont prêts à vous les étoiles. Eh bien, vous les étoiles fait un scandale dans le moment. Même dit scandale dans le sens critique d'art, tout le monde applaudit vous les étoiles. Et nous devons gagner un magazine très sérieux qui est les rencontres et que Chris fait grand article. Robert Baudu, écrit sous vous les étoiles. Donc, pour référence, on est capable de consulter à ça pour vous rejoindre qui savent les étoiles dans l'époque. Donc, c'est avec un petit comité restreint théâtre haïtien, qui a pris théâtre haïtien dans le moment. C'était le comité théâtre composé de Baudu, de Gérard Isil, avec un autre. Bon! Eh bien, garçon, ça a rencontré qui est Félix là. Monsieur, tu es vraiment pile souhait. Il t'a encouragé à suspendre, pas suspendre le français, mais mettre accent sur le créole. Il t'a dit, vous quittez, maintenant, après 2-3 ans encore. Et il me fait le plaisir. Moi, j'ai commencé à tisailler. Je commence à brancher mes politiques haïtiennes. Je publie quelques pièces, quelques morceaux sur le journal Haïti Progrès, tant d'autres. Nous faisons quelques publications restreintes, si vous avez des copies en métal, qu'on aime. Publier les livres de surtout pour nous-mêmes Haïti. Donc, ça dépend. Donc, par politique, son tableau, l'amour que nous gagnons, surtout pour femmes. Excusez-moi, presque un tiers dans la politique, c'est poésie l'amour. Et c'est dans la poésie l'amour, moi je sens poésie a existé vraiment. Dans des plaisirs auxquels à l'autre monde, c'est les m'a parlé des femmes, les m'a écrit, le ça me senti de femmes, moi je sens poésie a plus manifeste. Du plus manifesté dans ce sens-là. Et moi, je vais même aller pour me dire, sans amour, sans femme, sans amour, ça n'a pas de poésie, surtout lorsque c'est auteur mal. Donc, poésie, c'est lorsque vous avez dit, moi, je vais t'es au doux. Mais ça fait moi, je mais qui ça me senti, et c'est la poésie seulement. Parlez, ma petite, ma plaie, mon cher, pour mal couper tête. Donc, moi, pense, style ça, qui m'a connu, avec ça, l'humanité gagne qui piche, qui c'est l'amour. Donc, style politique a développé, qui prend l'amour, ça, que ce soit l'amour sur plan universel ou bien l'amour gagné pour nous en particulier, et bien l'amour, ça, l'amour mette le chita sur un feu papier, ou bien on mette le chita dans n'importe forme, ou attisage ou plan, et bien, c'est beauté pure et c'est beauté qui est force. Donc, parole ici, c'est ça. En deux mots. Donc, moi, après, d'un petit. Parce que je vais venir, je ne sais pas si je vais vivre là, mais puis je ne vais pas me mettre, je vais prendre un petit parti pour me dire deux paroles pour vous.
Bon texte, on t'a écrit, le texte a écrit depuis longtemps, depuis 1980. Mais il n'y a pas politique, parce que nous disons pas politique, son population, donc pas que le texte m'a écrit depuis bien longtemps, nous disons. Ma chérie, j'ai eu un aïe, 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 aïe. Des mauvais plans dans la race. Des mauvais sujets dans la race. L'angélisme qu'on pourrait être sous tête mon nom, cricket, tu fais accident, mauvais sujet, ou bien t'entrer sur la tête. La plus fien, mite la plaine. Mauvais plan, bien t'en courir d'opé jamais. Aïe, 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 mauvais plan dans la race, c'est des agréments historiques. Mauvais sujet dans la place là, c'est malheureux. C'est flon chien savant, qui a crasé sous ses moelles, pissé, jappé, tiancé, lancé. C'est une macon, dit tonton en ventilateur, une dit dalle scandaleuse, qui a si maillé mauvais vent, d'eau débris, levé poussière. Yon militaire bouquet kap pisse. Yon juge gros oreilles kap jappé. Yon savé bouki vilisé kap rincé. Yon monsieur bouledog kap tiancé. Estrit tiré vent marché libre à 100 grand pour manœuvre sa va pratiquer. Sans retour pour revendez là. En pile siècle passé, marché à libre au patra la la. Yon deux trois. 4-5 phases ajustement et strictivivi sans couloir avant. Excusez, strictivivi sans couloir avant. Vent camionisier va travail, vent courant d'air, vent grand flou, vent indouce, vent chaud, vent clair, vent matelas, vent kéé, 1, 2, 3, 4 et puis 5 varades, vent la tiac, qui déjà 3 pour branche travail. En vérité, marché libre, ça n'a pas pour nous. Nous-mêmes qui pouvons mettre prix sous l'amour à tête de bout, basilic avec citronnelle, nous-mêmes petite félicité avec des salines, car nous avons combi sans juste prix. Donc, marché libre, si nous attendons, nous avons déjà eu son engagement. Son contexte qui engage, hein? Engagement politique là, engagement idéologique là. Parce que nous sommes anciens membres dirigeants PUCH, des membres du comité central PUCH. Nous sommes militants depuis 14 ans, l'âge 14 ans et demi, nous avons fréquenté des amis, nos camarades qui étaient affaiblis. Manifeste du PC depuis à l'âge 14 ans. Donc, moi, j'étais conséquent à l'idéologie, bien que en pile monde aujourd'hui, fait, si vous ne dites pas, vous êtes carottes, dites oui. Moi, j'étais été sablé, un socialiste révolutionnaire, donc, je n'ai pas d'autre chemin. C'est ça. Poésie, c'est ou pas. Je salue tout le monde à la Ronde Palette, tout le monde qui est présent là aujourd'hui, une troisième célébration de la créole haïtienne en Massachusetts, qui est organisée pour nous une journée mondiale de la créole. Moi, c'est qui est moi, quand on dit invité pour participer dans le programme, ça, mais je vais préciser de ce que je ne suis là avec nous dans une belle activité ça, qui sans doute. Pour aller montrer et célébrer toute chine et langue créole haïtienne pour arriver côté de l'arrivée pour aujourd'hui. La langue créole là fait chine. Il prend route depuis longtemps, depuis l'époque de la colonie. Côté en 1789, Santonax a fait un discours en créole, un créole français, pour le ça. Côté de l'étape déclarée, une soi-disant liberté générale pour esclaves. Mais après ça, dans le temps moderne, langue créole haïtienne vient évoluer. Faut nous rendre un hommage bien mérité à tout le monde qui est venu par la langue Jarret.
Parmi eux, nous avons Suzanne Cohen-Sylvain et Jules Ferme. Depuis 1936, Desmond Sayo a publié deux livres importants sur créole haïtien. Nous avons tout, Candido de Pradine, sinon lui c'était Candio, Mtoubadou, chansonnier, mais année 20, il y a 40 ans. Bien tout, Théophile Salnab, sinon lui c'était Zo, un journaliste qui a simulé un créole là, dans la radio HHDS, tout le temps, dans l'année 30 et 60. Zo, t'es un chansonnier politique qui t'es convoyé en pile chanté pointe en créole. T'es tout, Clément Benoît, journaliste dans l'année 40-50. Il t'es qu'on défend qu'il petit pays en pile. T'es un Émile Célestin Bégui, qui est un petit torigramme, un poète écrivain qui passe toute ville à défendre la créole haïtienne. Il te fait partie d'une équipe qui te prépare l'autographe créole. L'État haïtien te ratifié pour l'un créole là dans l'année 1979. Lycée membre du bureau central Société Koukoui, il te écrit un roman célèbre, L'amour, pas de barrière. Tout Jiram fait recevoir l'honneur de même ministre de la Culture, Marcus Garcia. Enfin, mettre question à Félix Morisseau le roi. 13 mars 1912, 2 septembre 1998. Pour être national, nous tous connaissons que nous l'avons dit. Hein? C'est lui qui écrit belle poème ça, Merci Papa de Saint-Jean. C'est lui qui t'a écrit pièce théâtre Antigone en créole. C'est lui tout, mes amis, dans notre petit bon tapage pour les sous droit. Ma voix vient rapidement, qui côté journée mondiale créole a sorti. Dans l'année 1982, dans les Seychelles, dans l'océan Indien, quelques linguistes et universitaires dans les Caraïbes ont créé une association qui est Basile Créole. Et ont décidé de célébrer une journée mondiale créole chaque année, qui est ce dernier vendredi, mois octobre. Depuis l'année 1982. Dans l'année Sahara, nous continuons de travailler là. Pour nous voir l'un créole là monter plus haut toujours. En attendant, même si je ne suis pas là aujourd'hui, mais livre moyen, toi l'école se fait sortir en temps de libération là. Livre ça, c'est mon ramassage de poésie moyen en créole, français et anglais. Poésie différente dans toi dans ça, mais c'est toujours le même message là. Message de libération, libération masse défavorisée. Des poésie pour l'amour tout, parce que parler la vie sans l'amour. Pour les gens, Victoria, sur tout ça là. Donc, si ton temps est un petit temps, là, on va vous donner quelque chose. On va vous donner là, nous viennent là. Là, c'est à 15 dollars. Voilà. C'était Kiki, Wenwen, Misaki, Wenwen, passé par nous. On va passer avec la prochaine partie de notre programme. Avant ça, nous n'étions pas de bonnes vues politiques à l'amour. Eh bien, ma bonne, mon petit bout. Ram pou ram, la lin tou e jel sou nou nou. An profite lam e la vi ak lin, jous lam oubliye. Se denye piye nap sinye, san si pa, ni tien tien. Map kon pou lam bavant, pou pointe tete ou kampe. Souf nou kon, van siblim, pran wote ansam. Zetwal yo met fou ya pot, ki boye yo pala djol, fok lan mou an sele nou, pou n leve reme an gade. E pi kite yon tablo peti miste, pou la yon. Mersi. Ok, mersi an pil. Nan kontinye an program nan, toazen moun ka prezante se Charles Lucien. Charles Lucien se yon artiste. On a un collaborateur, il y a un comité d'organisation. Activité ça que nous avons essayé de faire, ça fait 3 ans, comme on l'a trottiné, nous souhaitons arriver à camper sous pied nous, dans l'organisation, dans la participation. Et Charles Lucien, je dis à son bagage spécial, l'a présenté en CD des fins sorties, qui relève du OGM. Donc, Charles, place dans ses pots. Merci, Dani. Moi, c'est Charles Lucien, Jacques Lavin, qui présente la chose à l'autre, d'une part, parce que je compte parler
mais c'est qui bat à même niveau avec nous, ça s'en fait sur le bagage d'avant. Et deuxièmement, les problèmes, ça va toujours un jour à jour, à l'heure où tu es supporté par la Renaissance. Tu me parlais vivant, il y a une valeur aux femmes qui travaillent, là, dans le monde, les bonnes prendre compte. J'ai un autre martyr qui était accueilli par moi aussi, qui était pour moi aussi, je m'arrête. Il a parlé des morts et il a eu des bonnes chances avec Maurice Leroy. On a dit, on a eu un problème là, nous avons critiqué la réalité avec les dépenses et les notes niveau. Et si la bonne rapide ma créole, tous souhaitent être surtout dans le visager, donc utilisateur de nos créoles, à partir de gens qui vivent, j'entendais, ça ne peut pas mettre autant en phase sur les questions de l'évidence. Ma question, donc, pour Mado Jalmaï, quand j'ai utilisé le créole là, pour notre impression, quand j'ai couvert le bassin, quand j'ai utilisé l'OCA, et lorsque j'ai des problèmes avec les écrans du festival, ici et là. Donc, ça m'a présenté comme texte proposé, présenté par Charles Lucien, mais histoire Diogène, mais marron, mais volontaire. Bon planté dit comme ça, qu'est-ce que les petits Diogène a dit? Diogène qui répond, j'ai dit, après balle, tant pour l'eau, après le balle, on est fatigué. Eh bien, Diogène a laissé un plan comprendre, qui était fait tout le cas au bas, en tout cas, en fait, qui Jean-Paul lui dit, un bon Jean créole, qu'il était fatigué. Donc c'est comme ça qu'on a fatigué, après parle dans l'eau. Diogène, son jeune petit garçon, 18 ans, qui était sorti, ton père, pour le voir fait, son livre, pour un jour, je lui dis, sous un lit, la vache, son aide, il pour un bon livre, pour le bon an, pour un bien, donc c'est pour ça qu'il m'a dit que M. Sinon n'est pas haut. Donc M. le restaurant lit dans l'hôtel de l'Infinerado, sur le boulot sur Pétionville, et bien M. il sait de manger, il va dans la cour, il faut qu'il va gagner, il nous fait descendre dans l'hôtel là. M. le restaurant intelligent parce que de temps en temps, l'homme étranger vient de mon diaspora vini, si c'est un anglais, on peut parler, je l'appelle en parole. Si c'est en français, j'ai appelé ma parole. M'entendez, monsieur lui maîtriser tiens de l'aller, donc il gère tout qualité de bagaille. Donc c'est comme ça, de temps en temps, vous allez voir là, il y a un plan qui besoin acheter, il y a un tableau et un hydrogène à péter sa peau. Ou besoin acheter la l'aromatique pour Paul de Pétionville, hydrogène à péter sa peau. Monsieur dit comme ça, mais la paix à la reste, donc quel qui bat fait, qui va bien voir, c'est comme ça que je l'ai fait. Et puis, monsieur, il a roulé activité, la pièce a roulé. Diogène est dans une position de même mettre ce modèle-là. Maintenant, on a acheté, on a continué à l'oser, monsieur. Parce que pour qu'il s'agit d'un petit délit, là, beaucoup de petits Diogènes, lui, en pile fonné. Eh bien, Diogène, non seulement, je suis intelligent dans sa dos, monsieur, son aide était entrepreneur et créatif. Monsieur, mon dernier commerce, mon territoire, la paix avec moi, au champ de la vente, surtout je viens au Rayo, et le début de la Rayo, on trouve que, eh bien, vous êtes en plus ça, à prison, tout à l'écosse. Donc, je dis même, vous voulez nous créer, on se chante là, prendre, il met tout le monde, il croule, il ne croule pas. Donc, monsieur, il m'a dit, vous êtes en plus, à 15 000. Alors, monsieur, c'est là, avec ça, qui était fait que, il était assoumis, il y a un moment avec quatre soeurs que j'ai gagné qui étaient sous les mains. Parce que papa, je l'ai mouru dans la mer, on est la vache. Donc, monsieur, là, la paix, vous voulez en mais l'image, parce que l'on dit, j'ai un jardin, parce que c'est le tableau, une femme qui était dans le restaurant en bas, 62 ans, qui demandait que je viens pour dépouiller au service, je vois la chambre, numéro 69, Pital. Le Diogène monté guitare en chant du 69, depuis de loin, je suis dans des formes d'argent pour chanter Canaille et Nanita. Il ne voit 18 ans, il est le monsieur Boucher, forme avec un bel les amis soumis, la chanter, il venait la mort, le Diogène Boucher livré, et au Boucher, on a chanté toujours avec un petit caresson à fleurs. Mais ça a été bifraqué, monsieur.
Pite ouè son ti pan, son ti fougèl. Poti piti dosu la, pite piti ton bon lide an ba, pite nan chan nan, e pi bran atire ti fougèl. Venez donc par ici voir un peu de vin avec nous, et puis Chita vous gagnez télévision avec petit cœur sur la. Il prend blanc, il prend du latte. Il dit tout ça, même son rage, t'es maïsant, tellement tout le monde qui est touché, t'abseigne. Il dit tout ça, on tombe dans tout l'angle, parce que tout le pays, Jésus, Joseph, son éloigné, soit libéré. Oh, papa, bon, mais ça ne passe pas, c'est vrai. Qu'un de nous, même si c'est pas Jésus, si c'est pas de miel, Marie, si vous pouvez là, il est attendu, il a dit ça au livre parce qu'on est volé ou pas dans la guerre. Qu'un bon diable, il va pas t'arrêter, ni mon mari, ni Jésus, ni vous pouvez là. C'est l'histoire de ça, il fait ou pas bébé. Et puis, pendant tout le monde, ça a été comme dans le cimetière sur le pays. En bas de l'hôtel, on a fait la douce pour l'on est tombé de souffle. De souffle, le cœur commençait à battre. Pendant mon agir, je gênais marron. Après 36 secondes, commençait à bébé. Je gênais. C'est où dans les petites? Oui, 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 mon agir. Petite, côté, côté en bas. Côté Vénet, côté Chérias, côté Dominique, côté Médicoyo, Madame Onachi, petit tout, au Bostori, par contre, les côtés de Chérias, c'est là, par contre, on va revenir là, c'est. Côté petit, côté téléphone, on prend téléphone, logiquement, Madame Onachi, on va prendre un téléphone, on fait les mots qui n'ont pas été bon, on est venu, comme ce que dit vous, vous voyez, vous, mes amis, yo relevé, et le président nous fait oui, en vrai c'est yo relevé, yo relevé, yo relevé. Mais tout ça, pas bien personne pour les répondre. Et c'est comme ça qu'il commence à parler. Maintenant, on a agi comme ça, pas bon, il est en vie. C'est la première fois que Diogène commence à réaliser que, en ça, oui, il est neuf, il est neuf. C'est la première fois que tout, maintenant, on a agi comme ça, réaliser que Diogène est marron, il est vraiment en son bébé. Et nous bâtissons sous les lèvres. Yo bouqué, l'on est disposé, l'on a la ville. Madame Nachi nous parlait, en étant toujours, en étant toujours. En certains moments, Madame Nachi a dit, Lizzy est petite, dans mon service. Oui, Madame Nachi. Manque à vivre, oh. Non, tardé, mais yon, rejoigne avec le monde dans les bras. Diogène réalisait que c'est trop mieux voir l'infini que mes parents ont été touchés avec mes manières au lâcher, au fond de l'adresse qui sont dans le gros fourmis, dans le carré. C'est trop mieux voir l'infini touché, mais je repose à malgré le lien à la rouge. Dans Paris, toujours, manières au lâcher, je lui ai dit, oh, Diogène, on va se poser des questions, mais qui l'on de ça? Pour parler de Paris, non. Il n'y a pas besoin de connaître qui est l'opéra qui est sorti. Qui est l'opéra qui a tous ces noms qui a transpiré, qui a été mal gaz, qui a été mal gaz, parce que depuis 36 heures de temps, le terrain va aller comme blanc. Madame Onachi, après, on va les disposer encore. Et petite, tu gères mon service. Oui, Madame Onachi. Oui, Florence. Tu gères faire deux minutes. Boucher a tremblé, Boucher refusé de recevoir Hollande, c'est Roland Paris, pour répondre à Hollande, Madame Onachi Paris, pour le dire, Florence. Oui, oui, Madame Onachi. Au fond, son petit, nous aurons dit Florence. Oui, Florence. Eh bien, c'est comme ça, le Paris, comme ça, le compte a compris, a fait bien au loin. Chacun va prendre un délire sans feu. Le délire sans feu, parce que les villes faites, là, beaucoup de roches dans le pays, il va changer de tourisme à la pente de roches. Alors, de temps en temps, le jour, j'ai demandé ça dans la bonne, on dit que nous voyons le lien, nous avons sans feu. Donc, sans feu, après la guerre, j'ai appelé lui-même,
Et bien, vous montez votre hôtel là, vous allez chercher qui monte la vie. Et c'est pour ça que vous tombez la vie, chaque autre ou prenez. Alors, on a fait du bruit, Dieu, vous allez nous l'avenir. Côté silence. Joue ça. On a les dieux, tout ça, on ne va jamais le brocher. Et puis, même brocher, vous tombez, madame, on a chaque jour, vous allez l'appeler en bruit, par exemple. Mes amis, je vous ai pas bien international, pas bien CNE. Donc, je vous ai droit, ton évato, mais ton épelle, braque les leviers. Il y aura les roches, il y aura les blocs, il y aura les poussières, tout parce que je vivais dans le trouble qui est dans la Diogène avec Mme Bonachi. Madame Diogène, c'est Mme Bonachi, madame. Si vous levez bien, vous êtes couché dans la poche, je vous me lavez, mais vous, Jean, Timon Signac, la vente de famille en bas, la vie ou des ouais. Vous lavez, madame Bonachi, il m'a vu une chèvre au bistou. Et bien, avec Mignola, madame Bonachi, la prévité de notre gène, il va le poser le baguette soldat brésilien pour y aller aux gens qui font opération sous lui. La vie. Vous prenez. Regarde, il vient pour nous préparer. Diogène, il est dans une femme, dans une femme qui n'a pas de ceinture, il y a un homme qui va sourire, Diogène, il est dans un cochon, il a des cochons. Parce que le soldat prend pied ça. Il y a des os, il y a des saignants, il y a des ligaments, il y a des liens pour l'amener dans la terre. Pendant que Diogène va la disposer, eh bien, monsieur, il va te sourire, passer sous le bouche, parce que il est en paix. Madame, on a agi pour dire d'aller chanter. Il y a besoin de jouer. 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 Mais mes amis griques. Mes amis griques. D'abord, il y a une autre chose que je dis aux jeunes. Pour dire madame, on a agi. Et bien, après la guerre, ça y est, comme nous connaissons, madame, on a agi, il est fort soumis. Là, il fait une vie scandale. Il frappe le monde des anciens présidents blancs et haïtiens. Il m'a demandé pour l'hôtel de l'université. Il a 2 millions de dollars et a levé le prix de la souillée. Nous allons aller pour les Diogène. Diogène est venu avant que j'ai offert les lettres parce que maman dit qu'on est sous les lettres avec ta tisserie qui mourit en bas des lettres. Mon acheteur s'est dit pour l'année, il mettait le travail dans ses boutiques sous l'hôtel parce que c'est un peu plus bon. Mais le Sahara, je viens de prendre des marches d'eau. Là, où les amis, il y a la reste. Il a dit la Bible. Là, il frappe les portes, donc j'ai une petite boîte de football, on a pris des teams dans le football. Les idées de l'envie, mon nom dit du football avec le chien de la Bible. Et bien, c'est pour ça qu'il vient frapper mon talent qu'on a agi, qui va l'emmener, de façon à l'envoyer vraiment une équipe de football. Qui fait ce qu'il y a dans tout le monde de mes amis. Madame Bonachi, femme qui est dans la famille de Oka, avec Diogène et Maroc qui sont dans la vache, je sais pourquoi la Figaro, je sais pareil, et ma reine, de l'équipe qui a marché les merveilles entre le président pour aller manger, les outils capables du football club du Néer. Merci. Alors, je vous dis rapidement, en général, on va inventer des petits jeunes dans le Sahara qui étaient là il y a longtemps, où ils retournent à l'hôtel, où ils passent en soirée avec les gens qui viennent à l'hôtel à côté. Et c'est à partir de ça que nous créons ça. Son hommage à tout le monde qui est handicapé, de nous dire quand c'est pas la vie en vêtu, mais la portée descend, la bataille de la football dans le bon sens. Merci beaucoup, en parenthèse, les premiers sont ici, les arabes ici. Merci à Jean, qui est plus sur un hôtel officiellement. Et merci à Jean, qui fait des signes dans Bouston, le 11 décembre. Bonne année. Merci, Ampil. Now we're going to the last part of the program, that is the movie. Hi John, thanks for being here. We'll start the movie soon and there will be a talk, Q&A after the movie. Right. 5 minutes to set it up,
The bathroom is in the back. You have time if you need it. But what is well? Pour m'offrir pour ma moins, c'est la vie. Sors en moyen, pas compte qu'on ça me pédit. Fouremer on ça va finir. M'gain pour m'suspend pédit, on y a moins gain l'esprit. Moins gain l'esprit ton air. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Moi, je suis très content de participer dans le mois créole en 2017. Je suis surtout content. Le chanteur était en Haïti il y a peut-être 3-4 mois. Il a parlé de moi créole là. Et il a dit est-ce que il a dit ah ouais, film Patricia. Il a dit non, il a dit je trouvais ça drôle parce que vous jouez dans le film. Et voilà pour votre courriel. Donc, nous dérangeons nous pour que Patricia soit venue ici le jeudi pour te présenter finalement. Et nous pensons que tu parles bien de nous. Parce que nous présentons le film ça trois fois dans le focal, salle plein, avec bel débat qui fait à la fin. En pile étudiant, en pile jeune, en pile monde qui est intéressé par la problématique que Patricia a présentée, hein, qui est complexe, en tant que nous avons compte de ça. Donc, nous allons dire juste deux, trois mots sur le cinéaste. Donc, Patricia, il fait en Haïti. Un peu le monde comprend que c'est mon diaspora net, mais en fait, il fait en Haïti. Et il se trouve que son, pendant la dictature, il était obligé de prendre l'exil, lui-même à toute famille, parents, etc. Et après, il a vécu dans divers côtés, on est établi à New York, et c'est travaillé, son cinéaste. Et le métier, c'est fait film. Donc, puis ça, film ça que nous sommes il prend plusieurs prix. Il prend premier prix et spécial jury dans le Tribeca Film Festival. Le fini, il prend l'autre prix qui c'est Sundance Time Warner Storytelling. Et en plus, il est passé pour la première fois dans le mois de novembre 2014 à New York. Et New York Times critique t'a choisi lui et puis t'a un gros article qui est sorti dans New York Times sur le film. Donc, je suis bien content que Patricia ait eu l'occasion de présenter le film. Par contre, si nous avons des questions, donc je vais passer la parole pour que lui expliquer un peu dans quelles conditions t'a fait le film et puis comment il a répondu aux questions sur la complexité. Et tension, parce que nous connaissons qui viennent nous présenter des contradictions et des tensions. Donc, comment on est capable d'expliquer nous le processus qui est mené dans la création du film ça. En tout cas, nous avons un petit créneur. C'est vrai que le film n'est pas passé la canne, après du film de ça. Enfin, par contre, vous avez peut-être si vous faites capter. Est-ce que quelqu'un peut avoir des questions? Si quelqu'un a des questions. J'ai une question, mais avant tout, Patricia, je vous remercie pour plusieurs choses que vous avez dit. Histoire, ça veut que vous racontez ensemble. Ce n'est pas facile, c'est la réalité. Nous avons une fois tellement lourd que nous pouvons garder. Et dans le film, ça, vous mettez tout ensemble. Vous dites, donc, félicitations, courage, parce qu'on a eu des faits. Parce que même, vous qui êtes dans le travail, si vous avez fait un jour, dans la tête, vous verrez que vous parlez, parce que c'est tellement lourd. Nous avons eu un parler pour expliquer nous comment on fait. Pour marier tout le paquet, ça. Vous racontez toute histoire, ça. Tout pays, ça, ensemble. Oui, encore, félicitations, gros travail et un commentaire qui s'en pose une question. Commentaire là, c'est pour écrivain qui dans la salle là, c'était capable
vraiment apprendre de technique ça, question de raconter une histoire, il faut qu'on rentre dans la psychologie du personnage et non pas simplement raconter pour raconter. Donc, histoire, question de tension, question de contradiction, question de psychologie, elle est extrêmement importante dans l'éducation. Donc, je suis fier de vous montrer une belle bagaille. Côté que vous pouvez arriver, remet aussi le personnage et là, il y a, ça veut dire que le travail est fait. Kounia, la question qui est pour vous, il y a quelques motifs que moi, ouais, vous avez avec lui, et peut-être pas qu'on dise ça, mais, et motif regard, le gaze, regard, et motif mémoire, parcours, question de train et tout ça, et puis symbolique qui gagne dans tout globe. Donc, est-ce que vous pouvez parler de symbolique avec regard et puis l'aspect de silence. Comment c'est avec silence et regard? Comment ça veut dire que, en tout cas, question. Est-ce que marché? Non? Est-ce que les marchés? Oui. Pour lui, je vais écrire. Oui. Oui. Merci, Patrick. Oui, pas plus vraiment les conditions, mais c'est vrai que tout élément ça, il était fait partie de préoccupation, pas surtout cette histoire de la mémoire. Parce que pour moi-même, c'est un bagage très personnel, autant qu'un bagage national. C'est-à-dire, il n'en vit pas parce que papa était emprisonné, il était torturé, etc. Et maman, c'est pas moi qui s'est mis, c'est un français juif qui passait par tout bagage en France. Dans et puis, dans la famille, moi, nous disons, Jean, mon père Jean parle. Ok? Papa, page, papa. Et je suis sûr que c'est ça pour vous connaître ici, dans la famille. Côté, ou dans l'exil, ou côté, dans le pire qui est passé, vous l'avez fait reprimer, je m'a appelé ça, les blessures cachées de l'exil. À côté, on pensait que c'était pour tout exilé qui quittait le pays, côté guerre ou réorganiser sa politique. Lorsqu'on quittait un pays, il y a un passé lourd. Et pour survivre le passé là, c'est même pas grave qu'on en a été. On n'a pas qu'expérience que l'on réprimait. Moi-même, ça propose. C'était, et nous pensons qu'il réprimait au niveau personnel et au niveau national. Et ça qui était intéressant pour elle, ça qui a passé, quand on a pu se réprimer ça, il n'y a pas qu'à réprimer. Et que le retour. Oui, exact, le retour. Je refoulais. Et alors, oui, silence. Ça fait partie aussi du silence, la répression, l'impossibilité de la parole. Ça, c'est un bagage qui aussi, c'est un gros refoulement, un gros problème. L'eau. Enfin, il dure pour moi de parler de toute sa molécule, ça, mais on voit que l'eau est essentielle à tous les niveaux, sa colonie, que ce soit le voyage, que ce soit la vie, que ce soit et rôle, importance de l'eau dans la culture haïtienne. Pas changer le bagage, mais il est bien aimé sa côté. Le regard. Le regard, oui. La façon que... Oui, la façon que l'on a regardé. Et ça, pour moi, j'ai un monde en Haïti qui était venu après le bal du Valier. Qu'est-ce que ça a été dit? Juste parce que nous n'avons pas qu'à parler, ça n'a pas dit pas qu'à ouais. Ok? Et ça, le regard, c'est quelque chose de très intéressant pour moi, même au niveau du cinéma, au niveau psychologique. Est-ce que vous avez une autre question? Votre réaction? Son écrivain, c'est Manuel Vidrine. Ça me fait qu'il y a
Sam te ka di, bon, ni anpi l'epizod, ou kapab, kote nou kapab dekode plizye chapit nan iswa d'Haïti. E bon, gen flashback ki gen anpo avèl sou Katia, gen realite par exemple. Moun iswa d'Haïti ki vin travay kal lòt haïtien, e bon, eksperyans yo fè tou, ou gen plizye la jen kapab dekode an termine l'epizod. E, moun gran film kon sa, sa mde ka di nou bakon yon koman nou eseye aten majorite universiter. Pase gen yon jenerasyon Haitien, yon pare alman konen Haiti, mde ka di atraver film sa, ki yon tranche e iswa tete important, sitou lor yon film kon sa ave sotit an angle, donk yon tete important pou ta son film ki pou ta pase nan tout universite kote ou gen klub Haitien. On va connaître un monde qui a chaque pays aussi pour vous. Comment vous avez atteint la majorité jeune salle? Parce que toute génération, si haïtien, soit vous faites aux États-Unis, vous faites au Canada, vous faites la France, ou bien vous venez petit, vous ne parlez réellement connaît haïtien. Donc c'est à travers la documentation ça on va aider au par exemple. Donc dans ce sens-là, on va demander dans quelle façon vous avez atteint vos générations. Nous avons gardé deux membres, nous avons passé FIMSA dans quelques universités, puis bientôt tout FIMSA après sur iTunes. Alors, nous avons gardé des petites fiches que nous avons pas d'information, que casuellement, nous avons un pre-order sur iTunes. Mais nous sommes très réceptifs à ça, c'est quand même qui a des questions, qui a dit, qui a décidé, c'est tout ça. D'ailleurs, il y a ajouté que nous passons film ça en juin en Haïti pendant une Caribbean Studies Association conférence annuelle là. Et donc, nous, l'idée nous c'était fait sensibiliser professeurs qui dans l'université américaine et l'autre côté qui intéressé à Caraïbes, là. Nous avons fait ça tout pour Haitian Studies Association, qui a fait en Haïti en novembre. 19 novembre, on a fait au Cap Haïtien. C'est ça. Mais et malheureusement, même quand nous passons pendant la CSA, pas grand pile de professeurs, ça va être plein, mais pas grand pile de professeurs qui étaient présents dans la conférence qui venait. Quoi que ça qui était venu, c'était plus des Jamaïcains, des Lodantillo. Mais qui était très intéressé. Même absolument d'accord avec vous, son film qui est assez spécial parce que premièrement, il montre une tranche dans l'histoire, une histoire d'Haïti qui est très importante, mais tout, il montre des bagages très profonds. Oh, yeah. Nous pas habitués à rentrer dans le. C'est comme si Haïti a toujours traité nous en gens, c'est très simple, c'est méchant, mm-hmm. ou bien c'est un désastre, ou bien. Mais tandis que là, on a toute profondeur, toute complexité. Question en valeur et yeah. L'étape très importante dans le milieu universitaire. Donc, il est très important pour conscientiser des cas de majorité universitaire pour conscientiser eux. Ils même capables d'utiliser, soit ils sont capables d'acheter, bon, pas comme ils ont fait, ou ils sont capables de passer en classe. Ils vont continuer à lire sur ça, qui est important si vous travaillez sur le livre sur ça. Bon, il est intéressant vraiment si nous font un petit bail qui a un film là. Pour aider les gens, nous devons aller faire un travail. Quand nous dépassons le film dans Focal, et nous parlons de Focal, Focal est un côté vraiment intéressant parce qu'il y a un mélange de mots dans Focal. C'est vraiment un côté qui est vraiment pour la population. Hein. Ce n'est pas seulement donc King Jacob, etc. Du tout. Était un débat assez intéressant sur le sujet. Oui, c'est Adelika. Oui. C'est un professeur à l'université en Haïti, que peut-être nous-mêmes nous connaissons, qui t'a dit qu'il était très troublé par le film. Il t'a gagné l'impression que le sentiment qui exprimait le film montrait que entre
sa papa représenté comme Dieu son bourreau. Hein, comme bourreau. Comme bourreau. Et ça, tout le monde a subi de bourreau ça, puisque c'est toi et toi qui croisais avec le même bourreau. C'est comme si il était la même valeur. Il était un petit genre, pas fini trop senti à l'aise avec la façon que Patricia traitait bourreau avec les gens qui sont victimes. Douleur à la même couleur. Donc ça, c'était le sentiment que Picard a exprimé et nous avons un débat sur ça. Parce que effectivement, ça... Patricia a dit mal le dernier débat de faire. Patricia a dit, l'homme fait mal, ça va être ni sous figure, ni sous fond. Donc c'est comment on va entrer dans l'intériorité ça, pour que lui révéler effectivement sa liée. Mais qu'on n'a pas pu mettre dans la même balance. Quoi. Donc, c'est un débat très intéressant qui a été fait. Et par contre, si vous voulez pas quoi ajouter sur ça. Mais. Vous voulez? Oui. Alors, qu'est-ce que vous voulez avoir? Attends. Monsieur Dapper. Il y a une observation que vous avez fait. Il y a un film de Brian de Palma, Scarface, Al Pacino. On une scène similaire, le ancien bourreau, colonel, qui vient retrouver lui dans le campo, mais ensemble, en Floride, et du côté de l'ancien homme qui a couru pour Cuba, face à un homme de l'église, le conseiller de bourreau. Donc, de façon assez facile, on exactement même pas de la même contexte différent. Donc, on va dire que nous sommes venus là, il a été exemplé à des ouais, vraiment, qui j'ai entendu. Je vois qu'on peut appeler tomber avec des anciens qui dépergent comme des victimes, et puis même des fois, par la suite, on peut penser niveau par exemple, mais c'est pure résilience. Et question par moi, c'était à niveau d'une part fasciné par la présence saine étudiante en Haïti, c'est à Julie, ma distinction. Donc, dès que je connaissais mon expérience personnelle en Haïti, de manifestation des étudiants, on pense à l'étudiant ou bien qui. Qui pouvait être mal pour les têtes, contre le ciel à l'époque, ou bien qui a fait une manifestation contre les dictatures des Agrios, qui a parlé pour l'université de l'Iran, donc c'est une expérience qu'on connaît nous-mêmes. Bien que c'est pour tout, histoire actrice principale là, côté le sorti, parce que. C'est qui a sa fille principale? Qui est-ce, mesdames? La jeune dame, sa fille sorti, Yannick. Yannick, préoccupation qui était bien, c'est que FIMSA, quand Haïtien a Bouel, Haïtien reconnaît Haïti. Ouais, vous voulez, en parlant du regard, vous voulez que lui fonctionnait par rapport au regard haïtien, pas seulement au regard étranger. Alors ça fait vraiment plaisir. Quand vous déchirez d'abord, vous dites, oh, c'était comme ça. Alors, c'était pour moi-même, public haïtien, c'était comme public. Deuxième public, c'est un public étranger. L'étranger a réagi très bien par rapport à FIMSA. Vita, ils travaillent en tant qu'hôtesse de l'air. Alors, dans American Airlines, il y a longtemps, c'était les mêmes qui étaient faits Bandanos. Okay? Et si où est Vita? Quand nous avons fait le premier film, là, dans Tribeca, nous ne reconnaissons pas. Okay? C'est un monde qui voulait jouer, qui était pris quelques cours de théâtre. Il semblait un monde tellement sophistiqué, en pire maquillage, un jeune. Alors c'était vraiment, quand il était à Haïti, c'était apprendre à porter sauce au tapis. C'est quelqu'un qui était travaillé en film. Il te dit que quand la fille est finale, il te dormi à terre, la caille.
parce qu'il était vraiment besoin d'entrer dans le personnage. Il est ici. Il est ici. Il est vraiment. Mon seul commentaire, c'est que Dada reconnaît quelques moyens à Sanda qui fait un très symbolique pour signification sur le lien. Et d'abord, c'est Michel Degraff, c'est mon académique créole haïtien. Ils sont grands avancements dans le thème de promotion créole haïtien qui est de participer avec nous, de participer avec nous. L'année passée, mais bien pourtant, il y a des gens qui ont été élus avec Patricia Limoy qui participait, et qui est directrice Lowe, qui disait que c'est directrice Maténois, l'école Maténois, qui est enseignée en créole, là, c'est un acquis. Mais là, toujours, nous avons été élus, tout le monde sait qui est là avec nous, donc Raymond Justin. Donc, nous très bien encadrés, le diable. On sait le matin, personnage, je veux dire, il y a des personnes qui sont personnalisées. Parce que moi, je suis chef de frappe. Moi, plusieurs groupes. Est-ce qu'on a un photoconseil? Donc, est-ce qu'on a un petit bagage? Est-ce que c'est son personnel composé ou bien on a spécifiquement d'elle? C'est un personnage composé. Mais une fois que le personnage désir, pour moi, un bagage qui est très important, c'est que c'est Acaricien qui a joué le rôle. Parce que Calimiton, c'est un professeur d'école, et puis il était joué dans les années 70, il était fait théâtre. Mais ouais, par exemple, dans Parkland, il y a un réservoir de mémoire, il était comme ouais, ma route. Okay? Alors, quand ma travaille, immédiatement, il était comme qui ça, la palais. Il était une mémoire personnelle là que lui mettait dans le rôle. Vous avez écrit Roland, mais quand il jouait, il jouait. Donc, dans la littérature, dans le film, dialectique avec interlocuté, c'est même pas la psychologie. Et c'est là que nous parlons bien au film, de littérature, parce que tout le temps, nous n'avons pas arrivé dans la question personnelle, pour montrer la dynamique, ça, nous parlons de la littérature, nous parlons de film. Donc, nous tournons sur la question, et Justin, remarque-moi, qui est vraiment extrêmement important. Et pour eux, qui viennent dans la tête, moi, le papa avec souliers marron, les nettoyer, nous disons peut-être moi, souliers ça, il faut retourner encore. Parce que on s'énerve, on ne veut pas qu'à venir avec un symbole pour nous quitter comme ça. Le symbole, c'est que, comme vous êtes avec, on souliers marron qui était vraiment un mauvais état que nous avons avec. Donc, question, toute image, tout symbole, si vous avez beaucoup de l'attention à elle, encore. Il faut nous plusieurs fois, et ne pas cacher de dire, il faut nous oui, par rapport à l'intériorité, et vous avez parlé du silence, nous tous connaissons dans la diaspora, il y en a été tout. Moi-même, bouquet ou image haïtien, chaque fois que vous mettez un micro devant haïtien, vous demandez de nous aider, vous parlez de nous, nous-mêmes sommes un peuple qui est résilient. Nous tous les familles, nous tous les amis, nous ouais, dégâts, que situation, que répression, que malheur, que toute déprivation qui fait sur nous. Et je voulais parler de ça et de exactement l'intériorité. Pas seulement montrer nous de l'extérieur, mais montrer nous de l'intérieur. C'était vraiment important. Oui, maintenant, oui. Ça saute. Bien deux aspects de santé publique que nous avons signalé dans le film qui va nous donner l'actualité. D'une part, il y a un salon de santé mentale, des traumas pour les réfugiés, avec un immigrant, réfugiés particuliers, surtout ça l'actualité mondiale. Maintenant, ça c'est immigrant, mais c'est après même bouger sur ça, j'ai suivi les dangers pour nous spécialiser. Pour les réfugiés de Katana. Et deuxièmement, côté ami avec Michel Voltaire, d'aller faire donation de sang, de refuser. Or, très subtilement, si on ne va pas au point, et puis en fait, très souvent, on va sur certains patients zéro qui ont été initialement identifiés à l'origine du sida. Ils ont découvert que ce sont des erreurs du côté du CDC, aux patients zéro en tant que tel, et ils ont retourné avec une mauvaise
que trace Dieringer GGA sortit probablement en Haïti dans les années 71. Bagage a beaucoup éclaté, mais rien qu'à voir le film, ça ouvre dans la tête moi encore, quitter ou à l'envie de passer, ou pas l'autre envie de passer en zéro, ou pas passer en zéro encore, faut retourner sur Haïti pour faire l'origine. Je parlais de la NPA. Oui, c'est ça. Patricia, parce que c'est un très bon film et merci pour son invité. Et nous allons retourner sur l'histoire Vita parce que je pense que c'est l'histoire qui est plus captivée dans le film. Parce que je trouvais que le sujet Vita, comme si en parlant de viol, de violence que, qui arrive lui-même, c'est pas un sujet que nous-mêmes haïtiens nous n'avons pas parlé de ça en film. D'ailleurs, pour qu'ils soient choisis, incorporés, sujet ça dans le film, parce que c'est un sujet qui nous empile et qui n'est pas assez exploré dans leur parler de la littérature haïtienne avec les films haïtiens. Question vraiment, c'est pour qui ça vous pour moi. Vous devez parler des traumas essentiels. Mon problème essentiel dans la société, hein, et puis le fait du viol en tant qu'acte de répression politique, acte politique. Et j'ai trouvé que le sujet de ça était capable d'une complexité par rapport au couple. Et dans le sens, les mêmes sont victimes de la terreur. Alors, ce n'est pas seulement nous qui participons dans le bagage, pas dans le bagage, mais dans l'activité, mais dans la violence, c'est un phénomène qui affecte tout le monde. Je ne sais pas si c'est un peu dimension politique, film. Mm-hmm. Parce que le film a passé après les bords du Valier, longue période côté compulsion démocratique en pays. Et en fait, Walker James Ware, on a rappelé que c'est derrière lui, parce que nous avons fait campagne pour l'élection. Et leur violé et Vita, c'est les James que. Enfin, pas James, comment tu veux dire? Ronald. Oh, non, c'est les Ronald que je lis. Donc, c'est un peu, si vous voulez, courant qui est en bas finant et qui a un positionnement politique. Tout. Ronald, c'est un fonctionnaire de la AEP. Oui, ils sont fonctionnaires. Son fonctionnaire a fait proposition pour élection sur la préfecture et qui t'a supposé démocratique. Donc, ancien régime lui-même a lutté contre ça. Et c'est dans ce sens-là qu'il y a des messieurs et c'est de ça que j'ai violé ma tour. À cause de la technique dans ce film-là, je ne vais pas trop comprendre ça. C'est pour ça que moi, que Ronald a des photos. Petit bourg.
vous en son bagage, mais petit, qui est même défini à l'éologie, et puis qui est obligé de dîner avec lui. Just want to say, excuse me, my mom's name is probably bad too. My man feeling up here, and I just want to ask you, did you help with the editing? Because I got the film now, Jean Weditelia, the history, what's out of the lab, because again, they say they move up, got it. Ya mon a pour bon chat parce que pas éditer en gens pour d'historien il pas yes and it was a long and complicated process to try to have the stories make sense, mm-hmm. Right. To have the public, the spectator, remember the stories, mm-hmm. And yet to split them up. Yeah, and it was a challenge. Yeah, and I just want to say it's a really artistic film. As an inspiring filmmaker, I dream of going to Haiti to make a movie too. But when you look at some Haitian films nowadays, they look cheap. They have mm-hmm. You know, they gross sex and violence. But this one, it really tells a story. You don't use so many vulgar language, and it's not. You really go to the roots of the language in Creole, because I've seen sometimes some of my parents, they're watching some Haitian movie and it's in French, and you know, they're struggling to watch the movie. And this one, it's something I can recommend to them. So yeah. It was really well done. Yeah, all right. Yeah. Thank you very much. Comme Patricia a investi in a fond of film. 1 an après film a sorti, la perfectionné. Donc, vous avez raison que artistiquement, vraiment, son film qui est très bien monté, très bien présenté, c'est vraiment, vous pensez qu'il méritait un gros bravo. Afè diamant roi d'Afrique là, ça c'est secret l'état. Ou fouy a pot konsa, pi ou va pran l'anmè la. Wom jamayikèn yan li sou.